Bonjour VOD, nous sommes de retour sur Grounded. Non, ça n'a pas marché ? Si, c'est bon. Pourquoi j'arrive ma cave ? Et j'ai cru à moitié sorti. Est-ce qu'on pourrait pas la récupérer un moment ? Et on va aller visiter la fourmilière des fourmis noires pour savoir s'il n'y a pas... Normalement, il y a un labo dedans. Donc pour essayer de trouver le labo qui est dedans. Voilà. Je suis enfin là. Visite un peu. Ouais, mais je crois qu'il y a rien. Je vais pas dormir, j'y arrive pas moi. Non, mais d'accord. Puis va pas te coucher parce que moi je j'arrive pas à dormir. Ok, non, il y a un petit mur invisible juste au niveau de la porte. Je pense que c'est une zone qui veulent pas que les gens visitent. Et à mon avis, ça va servir à un moment donné. Non, mais t'imagines s'il rajoute l'intérieur de la maison, plein de choses à faire et tout, tu sais. Non, ça c'est sûr, il n'y a pas par contre. Mais non, ouais, non, en DLC, ouais. Un jour, quoi. Il évolue bien le jeu quand même, hein. Mm-hmm. Tu vas de plus en plus loin, c'est trop marrant. On va pousser le concept de fou. Tu regrandis et puis t'as d'autres trucs à faire. Bon, après, là, t'es un autre taf, mais. Je regrandis, mais tous les insectes aussi. Dans la ville, après. Ouais. On va bien mettre un fly mode pour visiter un peu la map, mais bon, ça me spoilerait de faux. Ouais. Il y en a qui font ça, ils font des vidéos, ouais. Le fly mode de plein de jeux. Ouais, c'est trop sympa en général. Ouais, c'est vrai. J'avais vu cette BioShock, c'était cool. Il y a forcément trop de choses à voir, à découvrir. Bon, je sais pas trop où est la fourmière, je dirais qu'elle est derrière les poubelles en fait, je pense. Ah bah non, il y a le sac, non, de Didi ? Bah non, non, non. Let's see what we can find. Je sais plus. À ton avis, on va plutôt derrière les poubelles là-bas. Regarde, parce que t'as vu. Ah oui, c'était pas loin du tuyau. C'est pas loin du. Ouais, je sais pas. Putain, mais on peut pas. Je suis sûr, on peut aller dans le bac à. Oui, c'est sûr qu'on peut, mais ça nous montrera peut-être un moment. Déjà, le tuyau 100%, t'as vu, c'est bleu là. Bon. Enfin, c'est vraiment genre, viens m'activer quoi, mais bon. Activé en vrai. Même les poubelles, regarde, quand je me mets là, Lox, ici, ah, ici. Et tu vois, derrière, t'as des trucs qu'on dirait fait pour monter. Un morceau de batte ou je sais pas quoi. Ouais, peut-être, ouais. Ah, les poubelles. Ouais, j'ai vu. Bon, on cherche par où. Je sais plus où c'est. Viens, on descend là déjà en fait. Hop là. Ça a rien d'être trop. Est-ce que la fourmière elle est de ce côté-là ? Est-ce qu'on mettrait pas un repère à la fourmilière noire ? Ouais, il faut un. Ok. Bah, faut qu'on prenne du trèfle, des branches, des trucs. Viens. Bon, des branches, c'est bon. Ouais, c'est du trèfle. Les petites herbes, je recouvre aussi. La musique est sénère. Je vais prendre des herbes sèches si on veut faire un feu de camp pour bouffer. Ouais. Si. Faut prendre des cailloux alors aussi. Tac, 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 des petits gravillons. Ouais, nickel. Je sais pas si c'était si proche du bac à sable. On sait pas, on s'en est pas trop compte. Demande au chat. Les gars, c'est où ? Je vous ai ? C'était là hier. Elle est où les fourmilières rouges ? Noires ?
Bon, je vais vers les poubelles. Je crois avoir entendu une fourmi. Ouais, là j'en vois là. Je vais les suivre. J'essaie de choper des... Ouais, elles sont toutes là. Ah, c'est parce qu'elles sont toutes sur un... Un char au son. Ouais, elles sont jamais hyper loin du truc, des fois si, mais... Non, jamais hyper loin. Ah, mais attends, j'ai un petit monticule là où je suis, c'est pas là. Oh non. Non, mais les filles, avec les... Enfin, voilà, rentrez chez vous. Ah, ok. Je suis celle-là. Celle-là, je pense qu'elle est au hasard. T'appelais et prends une direction au hasard, tu verras, ça sert à rien. T'as trouvé du trèfle, en fait ? Un super conseil, ça. Non, elle n'a pas là. Non, ok. Oh, attendez, il y avait une fourmi là-bas, je crois. Elle a l'air de rentrer à sa base, elle. Il y en a plein ici, des fourmis. Essaye d'aller dans le bac à sable, j'ai l'impression, à en chier. En tout cas, je suis sûr que c'est forcément dans la main. Ah, c'est par là, je pense. Putain, mais en fait, il y en a partout ici, parce qu'il y a les hot dogs aussi. Non, par contre, c'est un problème, je trouve pas de trèfle. Elles sont ici parce qu'il y a des charançons. Sans trèfle, on sera bloqué, fais chier. Et merde. Ah, mais ça, c'est quoi, c'est... Ah oui, c'est les poubelles qui sont... Oui, d'accord. Les poubelles qui les attirent. Poubelle à moitié renversée, là. En passant de son jardin, quand même, le mec. Dégueulasse, son jardin, même. Ah, j'ai eu un truc comme quoi il y avait un labo. Ok, donc c'est que c'est pas trop mal, mais il faut que je trouve l'entrée, en fait. Ça me fait chier, je ne trouve pas de trèfle. J'en ai là, c'est bon. Oh, j'ai trouvé un cloporte maladif encore. C'était pas le même endroit qu'hier. Et derrière les poubelles. Ah, ça doit être comme les coccinelles, elles ont plusieurs spots de... Ok. Attends, t'as trouvé du trèfle? Oui, oui, j'en ai. Ah, super. J'étais en train de m'écarter pour essayer d'en trouver. Donc j'ai trouvé plein d'endroits où il y a des fourmis, mais pas la fourmilière. Alors on va suivre celle-là maintenant, on va voir. Ah oh oui, il y en a... Mais non, mais elle va encore près du bac à sable. Arrêtez d'aller près du bac à sable. Parce que sûr que de la fourmilière, on pourra atteindre l'intérieur du bac à sable. Oh, il y a un établi. Un autre cloporte. Maladif. Ouais, c'est nous qui l'avions fait. Ouais, ouais, mais ça veut dire qu'on est pas trop loin. Cloporte maladif encore derrière le bac à sable. Il y en a un peu aussi. Ah, une dent. C'est cool. Complètement derrière. Et voilà. Milk mall. Oh. Trop bien. Aïe aïe aïe, derrière c'est complètement bloqué par une araignée. Ah. Bon, c'est une jaune, ça se fait, mais... Mais j'avais pas envie. C'est bon, je l'ai. Oh, c'est rush. Ok, je mets le... Oh, il y en a deux autres. De quoi ? Je vais mourir. Faut que je la tue, faut que je la tue, faut que je la tue, ça rien. Faut que je me calme. Faut que je me calme et que je la tue. Elle est un peu bloquée en plus, parce que le décor est... Bon, j'ai mis un point. C'est bon.
bon, je l'ai eu. Bon, il y en a deux en face de moi, par contre. Des fourmis jaunes, des araignées jaunes. Ouais. Une maintenant, ça passe plutôt bien, je trouve. Mais alors deux. Je le tente ou pas? Les deux? Bah, si tu peux kite. Elle se bloque un peu, mais je peux pas vraiment kite. Non plus d'ailleurs. Et c'est parce qu'il y a le, il y a une dent derrière, c'est ça? Je me suis mis un soin. En fait, ouais, elle se bloque un peu, c'est pas mal en vrai. Les araignées, ça se bloque c'est trop bien facilement, parce que sauf quand elle saute. Elle se bloque, on les voit bien, et du coup je peux me reculer pour me soigner si je veux. Non mais les jaunes, elles envoient des... Alors, elles envoient des... Ouais mais ça fait pas de dégâts, ça te bloque juste, mais vu qu'elles sont bloquées, bah t'es dans une toile, au pire il se passe air quoi. Ok. J'essaie de gérer des blocages, je m'en sors pas trop, mais putain mon armure elle a pris très très cher. Ok c'est bon, ouais ça passe. Ouais ça va parce que grand tunnel tu sais devant moi parce que derrière c'est hyper serré derrière le bac à sable et tout. Ah ouais. Et genre ils étaient là en ligne, elles regardaient, tu sais, il y avait... T'as fait des tours là. C'est surprenant. Ouais j'ai tué. Bien joué. Ça fait un moment quand même. Du coup je suis passé parce que je voulais voir ce qu'il y a derrière et je me rends compte que bah non c'est juste de côté. C'est juste l'autre côté. Toi t'as trouvé toi? Ouais ouais, t'as j'ai mis un panneau. Ouais. Mis fourmis et noir. T'as mis quoi? Fourmis, ah bah oui. Ah ouais je le vois. Mais... Ah c'est... Ah oui c'est blanc sur noir. Okay. Ouais. Y a pas vraiment noir, c'est un gris foncé. Mais... Bon en tout cas après t'arrives côté table de pique-nique, un endroit qu'on ne connaît pas. On ira visiter plus tard. J'ai une autre entrée de tuyau. Après commence à rentrer doucement, les tuyaux apparents, ouais. Il y a un autre tuyau mais... Ouais. J'ai l'impression qu'on peut pas... Ah si on peut rentrer dedans. Ok, bon, on ira voir ensemble. Quoique non, c'est tout petit en fait. Aux yeux. Comme... Ouais, ouais, bah y'a... Du marbre fragile, on va récupérer. Ok. Et de l'autre côté... Oh j'espère qu'il y a bien une dent, un truc, je vois juste... En fait il y avait un marbre et un truc pour la quartite. Ah non, mais tu peux aller sous la flotte encore dans le tuyau, ok. Bon, je vais jeter un oeil pour voir si ça va loin. Mais à mon avis, ça va pas très loin, mais... J'espère y trouver une dent, un truc. Ma dague. Ouais, ah quoi que... Je sais pas. Ouais, y a juste un truc qui est caché, on dirait une clé. Du labyrinthe du Minotaure. Bon, ok. Je me suis dit, merde, ah, c'est cool, c'est la clé du coffre. Pas du tout. Ouais, je pense à ça aussi. Mais c'est peut-être ça, peut-être effectivement un truc dans le coffre. Bon, c'était tout petit, donc le tuyau apparent, je l'ai vu. Bon, j'ai eu un peu. J'ai pris de la quartzite et il y a une seule fourmi soldat qui m'a attaqué. Alors pour le moment, il n'y a pas beaucoup de fourmis dans ce truc. Mais du coup, là, je suis ressorti. Il avait l'air d'en avoir quand même moins en nombre quand j'y suis allé. Quand on y est allé hier. Moi quand je suis allé dedans, j'avais pas mal avancé, j'avais tapé une fourmi, il y en a que deux qui m'attaquaient en même temps. Ah mais faut que je répare mon épée, merde, allez. Bah oui, je me suis battu contre deux araignées, ça. Je me demande si ce caillou, je peux pas le casser. Attends, ça dit quoi? Si, roche fissurée, putain j'en étais sûr. Attends, est-ce que tu veux me rejoindre? Je suis pas très loin, il y a un truc qui a l'air sympa. J'avais vu une croix dessus, je vais te demander, et je crois que j'ai des explosifs sur moi, oui j'en ai. Je me dis que là il y a un, y a un petit truc à débloquer. À 600 mètres quoi. Mais ok, j'arrive. Ah, je suis à 600 mètres. Ah merde. Ok, bah je. Ouais, écoute, tu arrives. Bah, attends. Ouais, viens parce que. Ce truc là, je me dis. On... Là, j'ai les bombes sur moi, tu sais, j'ai tout. Tu sais, je me dis que c'est. Peut-être l'occasion en vrai. Ok, je suis passé par là. Putain, par contre, on est bien. Je peux passer par là. Mais je vais essayer de jouer avec autre chose que l'épée. Avec la dague elle m'a bien plu tout à l'heure comme une fois de mettre. J'ai amélioré combien de fois la dague? Ah oh, je peux pas passer par là. On va en fin de tour. Ouais je l'ai amélioré qu'une fois. Ouais bon de toute façon je voulais pas gâcher trop. Après ça dépend de l'ennemi. Ouais.
Ouais, non, mais c'est que je peux pas trop user l'épée. Tu vois, elle est un peu low si on met les combats un peu clés. J'essaie de prendre le gourdin à la masse aussi, comme ça je pourrais peut-être remettre barbare. Oui. Oui, je vais remettre barbare. Petit joue à la masse. Bah, c'est par là. T'as des petits doigts cuits de l'enfer. T'as encore les trucs de merde partout là pour avancer Et quoi? Des trucs avec tous les mobs corrompus? Non, pas du tout, on n'a pas ici. Ok. Non, c'est juste que bah, j'ai beaucoup de trucs à contourner puisque bah, entre le tuyau, le bac à sable, les petites mares, tous les coins bouffe, glacière, tout ça, il y a beaucoup de trucs et du coup j'essaie de savoir par quel chemin c'est le plus court. Couille. Ouais, j'ai besoin de bouffer. Je vais poser par terre les trucs que toi tu peux prendre sur toi, les cailloux déjà. Ouais, à côté. Non, t'as fait des bornes quand même. Pourquoi t'es allé aussi loin toi? Tout le tour du bac à sable. De quoi? Pourquoi t'es allé aussi loin? À la base. Ah ouais, je cherchais du trèfle donc, et vu que tu n'en avais pas autour, je me dis ça se trouve pour retourner un peu, tu vois, plus loin. Et entre temps, t'en as trouvé et après, j'ai voulu finir le tour du bac à sable et c'est vrai qu'il est big en fait. Ouais, il est immense. Il doit faire 2 mètres, 3 mètres donc ça fait pas pour nous. Ça fait 300 cm de plus déjà. Après, c'est bien, c'est que t'as mis le marqueur. Par contre, j'ai jamais eu la mutation où tu peux te mouvoir dans les herbes. J'ai jamais eu. Tiens, je t'ai mis les cailloux. Si tu veux te faire de la bouffe, c'est le moment. Non, c'était pas vraiment ça le truc, c'était. Ok. À mon avis, on va encore changer la map. En fait, irrémédiablement. Et je pense savoir ce que ça va faire. C'est sens de l'orientation. Tu l'as sûrement. Mais c'est que ça s'appelle sens de l'orientation. Comme ça, ouais. T'as besoin de. Bon, viens, c'est là. Regarde, déjà hier. Écoutez ce que je viens de te dire. C'est là. Oui. Ok. Tu veux, tu me dis ouais. Ouais, non, mais ok, d'accord. Je vois ce wesh là. D'ailleurs, j'avais vu ce sigle là. La croix là dessus, soldat. Oui. Bon, je la mets la bombe. C'est parti. Tu peux. Ah, c'est en dessous? Ok. Moi, je suis sûr qu'elle va. Parce que c'est. Moi, j'aurais mis là où il y a la fissure. Il les lâche trop. Non, mais elle va glisser. Ah, c'est bon. Ah. Ok, je m'en doutais tellement. Ah, j'ai quand même envie d'aller voir, pas toi. Ouais. Oh, oui, bien sûr. De toute façon. Il y a du chewing-gum. Et là, il y aura des gaps, je pense. Putain, c'est sympa de voir d'ici. Oh, faut faire une tyrannie. Non, c'est le mec. Sympa. Pas tout de suite. Tout soon. J'ai vu une abeille, hein. Table de pique-nique. Oh oui. Oh oui, il y en a beaucoup. Regarde là-bas. Ouais, je vois, il y a je vois. Des dunes. Je vois. C'est de la banane. Et un labo, évidemment. Oh, une plume, hein. Il est dégueulasse son jardin. C'était une plume à 4, je crois. 4 plumes, ouais. Bon, trouver des petites dents ou des trucs là. J'arrive, j'ai tombé. Ah oui, il faut sauter, par contre, fais gaffe aux interstices. Oui. J'ai failli tomber. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre de pourquoi t'as fait un petit oups. Il y a des fourmis noires ici aussi. Bah ouais, en fait, partout il y a de la bouffe, il y a des fourmis noires. J'ai l'impression. Après, c'est comme dans la vie, hein. Partout il y a de la bouffe, il y a des fourmis. C'est quoi ça? Miettes de biscuit fourré. Bon, on va récupérer. Ah bah c'est l'Oreo. Morsure de Billy. Formuleur ouvrière. Ah, j'ai envie de la... Vas-y, je vais quand même peut-être tuer. Ah, il y a un couteau en plastique, ouais. Ah, des fragments, mais il faut une hache en 3. Ça, on a déjà vu nous deux fois dans le jeu, des endroits différents. Wow. Ah, j'ai compris le chemin pour aller sur la table. C'est quoi qui me suit? Ok, faudrait que tu me rejoignes, Nélé, je sais pas où on passe.
pour ouais. aller. J'ai vu un chouingon. Oui, j'en ai vu. Mais bon, même vu deux, je crois. Un peu chiant avec ces. Enfin, tu le réclames, mais après, tu vas faire tout le tour du monde. Ouais, le chemin semble être ici. C'est subtil en plus, j'aime bien. Regarde, ouais, je te laisse arriver pour que tu découvres. Oh merde, il va faire nuit. Moi j'ai une torche, pas très grave. En plus, on peut pas faire genre on dort et on plus en passe. C'est comme ça, on continue à explorer le côté en mode journée quoi. C'est pas. Du coup, c'est quoi après? Ah oui, c'est viens. Là. Bah viens, c'est par là. Regarde, il y a la fourchette et là-bas on voit le clou et après là-bas on voit un livre qui monte. Ah ok. Attends, je vous propose. Attends, de toute façon, on peut pas dormir maintenant. Ouais, c'est pas tout. Allons-y. Allons-y. Je vois s'il y a une dent derrière. Non, mais pas. Oh, il y a un chewing-gum aussi là-bas dans la. Ouais. Ouais, je t'ai dit, j'en ai vu plusieurs. Putain, sur la table du pique-nique, il y a tout. Ah, derrière l'assiette, 100%, il y a une dent. Oh, il y a un crayon. On peut le tailler. Ah, ouais, le barbecue renversé, on est à côté. Il y a un crayon, on peut le tailler, c'est à ça que tu penses, toi. Je vais l'épée. Imagine. Une épée crayon. Il faudra un crayon et qu'il y a un pour que ce soit tâté. Très taillé. Il y a un code barre. Ah, oh, il y a des lunettes. Il y a une petite abeille. T'as vu ouais. Ça donne envie de les arracher, mais bon. Elle dort. Ah, j'ai eu la oh, pas non, ça fait dodo. Non, non, non. Oh. Écoute, comme tu es mignon. Ah putain. Ah, ils ont fait oh, regarde, elles sont toutes. Et en fait, t'as vu le barbecue? À mon avis, c'est ça les braises machin qu'il faudrait récolter pour crafter, je sais plus quoi là, il y avait un truc. C'est trop mignon. Regardez ça, ils font tout toto. Ok, donc c'est à dire ils ont peut-être pas fait de ruche finalement. Pourquoi elle m'attaque? Pourquoi elle m'attaque? Menace détectée. Moi aussi elle m'attaque. Je m'éloigne des autres et puis je vais la tuer celle-là. J'en ai une sur moi aussi, je vais faire. Ouais. Pardon, je t'avais pas vu arriver. J'ai pris trop cher, j'arrive pas à me battre. Je suis tombé. Ouais, mais il y en a deux du coup. Peut-être tu vas te cacher dans la tasse à gauche là. Vas-y, derrière toi. Peut-être te cacher, non? Ou t'es bien pour le moment en vie. T'as une tasse, tu peux surtout faire le tour. T'as et pas te trop dedans. Non, 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 pas l'interstice. Je suis dans un interstice, je suis croisé. Ah, tu peux venir si t'arrives. T'es pas tombé. Non, je suis pas tombé, mais j'ai plus rendu. T'as 13 secondes. Ça va, ça devrait aller, je pense. Ouais, BJ. Elle te suit. Ouais, bah oui. Ah non, elle s'est barrée. Elle était trop loin. Ah, cool. J'ai pas réussi à me battre. J'ai trop galéré. Ouais, c'était un peu galère. Bon, bah, elles sont mignonnes, mais en fait, elles font dodo, mais elles aiment pas qu'on les réveille. Enfin, qu'on marche près d'elles quand elles font dodo. Ouais. Viens, on peut peut-être monter du coup. Mais par où? Par le livre, là, je pense, non? Livre, après, y'a un truc qui monte encore. Ok. Ça a l'air d'être fait pour, non? Moi je trouve que ça a l'air de le faire. Ouais si. Ah. Allez bâtard. Bam. Ellie hoops. Bringing the light. Bringing the light. Je découvre la glacière. Ouais on peut aller dedans mais... Comment? Voilà. Qu'on casse? Attends je peux casser ça. Vas-y. Ah oui tu vas le faire tomber en fait. Ouais c'est ça. Ouais, trop ouais. Marrant. Ça, c'est des mécanismes trop drôles. Pardon je t'ai passé dessus. Ouais, j'ai vu, rien à foutre. Il y a de la science.
Science. Science. Ah, un petit château. What the fuck? Oh putain, c'est un JDR. C'est un JDR, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. J'ai toujours trouvé figurine que c'était cool, pas étonnant que Pete aime ces trucs. Ah bah évidemment, Pete c'est le geek. Les lunettes. Trop stylé. Oh putain. C'est encore les... Honey. Ah. Waouh. Par contre, elle dorme arrache complète. On rentre même pas à la ruche, rien à foutre. Hein. En vrai, j'avais vu que si elle se retrouve dehors et qu'il fait trop noir, ouais, elle se pose et elle dort. Ah ouais? Non. Ouais. Dès qu'il fait nuit, les abeilles, tu. Je dirais que dedans il y a quelque chose. Qu'est-ce qui te fait dire mais ça? Mais attends, mais comment on l'atteint? Ça a l'air complexe, non? Ça passe? Ah, mais là, il y a une goutte. J'ai vu une goutte. Attends, j'ai envie d'essayer, mais. Ah, peut-être qu'on peut. Passer. Ouais, peut-être qu'il faut monter. Ah, c'est chaud. Hein. Tomber pour de la science. Ouais. On verra. On se créera un petit truc. C'est peut-être le défi de se faire chier à créer une petite parcelle. Ah, regarde, on pourra même aller dans l'autre glacière du coup. On tombe au bon après, faudra le vouloir. Mais... Ah, bah, il y a une dent, évidemment. Faudra y aller en partant, quoi. T'es allé dans le JDR, t'as trouvé une entrée? Non, mais il y a le poste de recherche. Moi, j'ai trouvé l'entrée. Hop là. Ah, le poste de recherche et tout, c'est cool. Logistique, t'agrandissement. Oh mince, j'ai pas pu lire. Ouais, oh, il y a des bandages, il y a de la bouffe. Il y a des tagliabelles. Abeilles. Tagliabelles. On va les inspecter, je pense. Je l'ai fait. C'est du soin, ça. Ouais. Attends, j'ai récolté un truc, mais je l'ai pas lu, j'ai pas pu lire. C'était quoi, brouillard, marais hey. Technique comme ça. Ah, il y a un Oreo encore. Rose, what is that? Some kind of Ant-Man? Ah, je trouvais l'entrée. Ouais, ouais, j'ai vu. J'attendais juste que tu. Ok, moi j'attends aussi. Lui. C'est juste devant, au final. C'est trop marrant. Ils ont vraiment tout mis pour que... Les petites fourmis. Ça aussi, mais à quoi les fourmis noires? Attends, je vais juste voir. Vite. Ah ouais, j'avoue. Yeux. Oh voilà. Nice. Non, c'est... Oh mince, j'ai pas l'appel niveau 2. Ici, okay. un chewing-gum dégueulasse. J'ai pas trop de place, t'as de la place? Ouais. Non, je crois. Ouais, j'en ai. Elle a l'air de tenir trop longtemps la torche, plus. J'en ai deux ou trois. J'en ai fait une. Quasiment rien. Ouais. Ça me fera 10 jours. Hein. Oh. J'essaierai de le prendre. Je sais pas si j'en ai déjà au pire. Ah non, j'en ai pas. On a encore de la science. On a deux chemins. Ou par là ou à la porte. Allez. Ah, oh, trop bien. C'est trop marrant. C'est des insectes en plus. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Gros, c'est quoi des sortes de handpan? Parce qu'en fait, j'ai regardé à travers la palissade ce qu'il y avait et on les a vus. Il n'y avait rien au fond. Enfin, tu fallais voir dans le doute, mais... Il n'y a juste pas des fausses... des entrées trop marrant, secrètes. Putain. Que c'était par là. On visite vraiment un donjon. C'est trop marrant. Il y en a plein! C'est vrai qu'en plus, pas genre, tu sais, les détruire pour récolter un truc. Ou... Ah, mais c'est le labyrinthe du Minotaur! Et on a la clé! Ouais! Complètement parade! Attends, c'est nice! Oh, c'est bien foutu, hein! Attends. Le game design. Il y a un coffre, attends.
Avant, il y avait une plume que je voulais. Oh putain! Ouais, je regarde. Oh, il y a des abeilles à côté, ah, par ouais. contre, je pense que ça craint. Ouais. Et tout à l'heure, quand j'ai récolté la plume, c'est juste après que tu t'es fait attaquer. Donc... Quand elle est proche, je pense que. Peut-être ça en vrai. Des plumes en vrai, je commence à en avoir un peu. Hein. Je crois que j'en ai 15 sur moi. Attends, je check. Ouais, 15 morceaux. Attends. Ouais, je te rejoins. Bah, on va pouvoir ouvrir le coffre du coup. Ouais. T'as tout regardé ici dans cette salle? À peu ah, près. C'est bon. Bon, attends, est-ce qu'on se la fait en vrai? Elle est un peu toute seule. On... J'ai peur que ça attire les autres. Oh bah, je l'ai pas tapé. Hein. Elle, okay. s'est elle est bloquée en plus. Vas-y, on la burst. Putain, là. Je... Ils sont plus fortes ou quoi? J'ai l'impression. Pas tant qu'elle sur moi, ouais. je vais bloquer. Désolé, mais j'ai fait. On peut la voir là. Oh, putain. La carte. Elle m'a eu avant, ouais. avant de mourir. Bon, les autres, elles sont excitées, mais elles nous voient pas. Bon, j'appuie sur E. Vas-y. Ah, un méga milk. Ah, regarde. Ah, ouais. Une puce de burgle de pique-nique. Ah, tu vois, il y a des puces en plus, donc peut-être c'est dans l'eau en vrai. Ah, bah c'est... mais c'est peut-être une puce de burgle alors aussi dans l'eau. Un scab. Bon, bah j'arrive pas à monter. Ah, si, c'est bon. Je vais te laisser les caillots. Vas-y. J'arrive pas à sortir. Pas mal, pas mal. Trop sympa. C'est super bien. C'est vraiment trop cool. Un trésor, quoi. Découvre un trésor. C'est sûr qu'il y a un truc là-dedans. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais trésor, on a avec les toutons trop bien en fait. On sent qu'il a... Il a changé de minotaure. Ouais, bon, y a pas trop... C'est des insectes les minotaures, quoi. Y'a une fourmi low life qui va dans le labyrinthe, tu peux la choper. Ah, d'accord, je l'ai laissé passer. Elle a pas beaucoup de vie. Hein. Quoi, tu tues des fourmis pour du matos? Bah, elles sont venues sur moi, je me suis dit, ouais, de toute façon, on va en tuer plein. Tiens. Faut voler. Non, c'est bon, je l'ai trouvé. La elle est revenue fourmi noire, c'est que tu es là, il y avait écrit. Donc, on va recevoir sûrement un raid de fourmi noire. Ok. Viens, est-ce qu'on récolterait l'Oreo qui est là? Est-ce qu'on récolterait pas l'Oreo qui est là, l'Oxo? Ouais, ouais. Toujours pareil, j'ai pas ma place. Si on trouve un rustique, faudrait le tuer pour que je puisse réparer mon épée. Moi je suis passé par là, là le couteau. Il y en avait en bas. Faut taper plein bas. De fois. Oui, mais t'as fait des morceaux. En fait, après tu tapes chaque morceau indépendamment. Ok, je se récup. J'ai 4 slots là. Je garderai les trucs de fourmis du coup. Ah oui, et on faut aller récupérer la dent qui est là-dedans. La dent qui est dedans. Bon, j'y vais, de toute façon, je pense qu'on a tout vu sur la table. À part la science dans la canette, mais je. Ah, sinon, tu peux essayer d'obtenir la science dans la canette, et si tu tombes, tant pis, tu. Tu mets ton. Ton. Si t'as un truc de pisse en lit, tu vois. Pas si t'en as un. On peut analyser des trucs ici aussi. Hein. Ah, j'ai rien du tout. Ok. Il y avait que là-dedans, je récupère, je sors. Ce qui m'étonne, c'est que... En fait, il y a une partie qui m'étonne, je pense que ça sera expliqué, mais... C'est que on est... Sont les humains, en fait. Pourquoi sur 56 jours là-dedans, on n'a pas d'humains, personne qui s'inquiète. Oh, nice. Une niche de chien. Ah non, miche de chien. Oh merde, je suis attaqué par les abeilles, en fait j'ai vu qu'il y avait un petit passage à côté du truc de miel. Je suis tracé mais oh la vache. Où je suis tombé. T'es tombé, ah mince. Enfin je suis pas tombé, j'étais dans... J'ai côté la dent. Oh, attends mais il y a un labo. Attends, je vais réseau labo. Ah bah réseau labo, ouais j'avoue. Tout moi ça aurait été complexe. Hein. Dès que t'as récupéré ton sac, est-ce qu'on dormirait pas vite fait là? Je pose la tente et on dort, en vrai. Une tente, j'avais pas. Non mais moi je peux. Ah non, c'est toi qui avais le trèfle. On se rejoint quoi.
Mais il y a aussi une gourde dans sur la table. J'aimerais bien voir s'il y a un truc autour. Bon, je remonte alors. Ce serait bien. Il fait jamais jour ici. Après, il est quelle heure? Il est super tard. Hein. Il est 2h20. On va pas. Oh, on va attendre. J'ai pas. Oh non, la pétasse. Putain, mais elle m'attaque trop. Juste là. Elle m'attaque trop, j'ai pas eu le choix de tomber. Ok. Elle m'attaque beaucoup trop, je saute, putain. Je saute. J'arrive, frappe pas. JPP, oh, y'en a plus qu'une, mais. J'ai trouvé une bouteille. Et dedans, il y a une dent. Et bien faire la loutre en bonne nuit. Je suis à 60 cm, je crois. T'inquiète. Il y a un bordel, je me demande si les... si les abeilles se battent pas contre un truc. Ok, regarde, viens voir vite fait. Parce que j'ai vu une dent. Ah bah attends. On va dire. Une bouteille de milk molar. Ah. Ouais. Bonne nuit, Inferna. Oui. Vas-y, je... Oh, c'est fou. Bon bah méga milk, on pourra faire une bonne amélioration. Une dent en or dans un chewing-gum. C'est là. La petite la dent. Où les chewing-gums sont énormes. Ouais c'est vrai. Ouais c'était ça. On va juste rentrer dedans. Oh bah ça va, c'est pas trop chiant. On m'attendait à une énigme, hein, mais au final non. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Est-ce qu'on retournerait pas vers la fourmi là, noire, comme ça on sait qu'il parvient pas trop. On viendra plus tard au pink. Au... Merde, pas pique-nique. Au barbecue. Sandy. Ouais, mais on a regardé quand même un peu autour et tout. Ben, moi j'aime. Enfin, le problème c'est que t'as encore plein de mobs corrompus ici donc. Mais clairement, non, ici en a faudrait pas revenir. Du tout, moi j'en ai pas vu un seul. Ah bah, moi j'en ai là sur moi, ça explose dans tous les sens. Je les avais vus d'en haut. Il y en a pas partout en vrai, c'est vrai. Ok. Mais il y en a des endroits. Mais là, je suis sûr que. Ah, c'est le pied de la table de pique-nique quoi. Je suis sûr qu'il y a plein. Putain, il y a une coccinelle. Je suis sûr qu'il y a des choses, tu vois. Ok. On fera ça plus tard, alors. Mais voilà, je propose que quand on reviendra au barbecue, on essaiera de voir s'il y a d'autres choses ici. Ok. Il y a plein d'abeilles qui dorment, c'est assez rigolo. La nuit, elle est trop longue. Je cherchais mon point. C'est horrible. Bah, je commence à aller à ouais. La fourmilière. Même si je la trouve pas. Ah oui, là, c'est ça. Un peu loin, mais il n'y a pas trop d'obstacles, je crois. En fait, il y a un contour. Faut contourner le bac à sable un peu, je crois. Et pareil, je me dis. Après, en fait, faudrait peut-être prendre le réflexe d'en avoir toujours sur soi. Mais j'ai. Ah la vache, les bombardiers, quand ils te voient, ils te tirent très très bien dessus. Les yeux en plus. Je me dis ouais, faudra toujours prendre des explosifs quoi. T'sais. Ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je fais là moi? J'entends le bruit d'une bestiole que j'ai jamais entendue. Mais c'est les charançons qui font ce bruit là? Oh, j'espère que je suis pas passé par en le tout cas, mauvais c'est côté. C'est bien autour du la... Donc tu l'as trouvé, ouais, je vois ton point. C'est bien autour du bac à sable. De. Ah, la. Fourmi noire. Ouais. Oh merde, je crois que je suis passé par le mauvais côté. En même temps, je vois rien, il fait nuit. Moi, j'ai ma torche. Non, moi aussi, mais bon, je me rends pas spécialement compte en fait quand est-ce que.
Par où, en fait, où j'étais par rapport au bac à sable, vu que je le voyais pas au loin, quoi. En courant à lui, j'ai vu qu'il était à ma gauche et pas à ma droite. Je peux passer par là, ça va. C'est con, les pucerons, ils font des petits bruits. Tu peux pas les rater, quoi. Mais des fois, ils bug, man. Okay. Non. Bon, je me dépêche. Quoi ? T'es tombé ? Ah non, mais c'est que tout le côté près du mur du bac à sable, c'est des toiles d'araignées et des cocons. Ah oui, oui, mais j'avais tué les deux araignées. Ouais. Il y en a une, je crois, dans le... Putain, il y a énormément de fourmis ici. Ah, mais les fourmis, en fait, elles essayent d'atteindre un truc, pas du bac à sable, mais... Oui, le cloporte qui. Oui, t'as vu, il y en a derrière. Ok. Bon bah j'arrive par l'autre côté, mais je suis quasi là. Ouais, moi j'ai dû quand même faire un bon tour du monde là. T'avais du trèfle toi, tu me disais. Ouais. Je sais pas si j'en prends parce que, histoire d'en avoir aussi en vrai. Au pire je le jetterai. On en avait besoin pourquoi? Si on veut se faire un abri ou si on veut se fabriquer un repère. Ah, c'est avec du trèfle ça vaut mieux. Je crois. Non mais je fais tout le tour, j'arrive pas à y accéder en fait. Ouais, il y a qu'une entrée je crois. C'est derrière les trucs ici. Je suis obligé de faire le tour par l'autre côté quoi. Putain, je vais mettre 10 ans. Bon. C'est vrai que je passe sur la table de pique-nique. Je trouve que les fourmis ils se bloquent aussi comme ça. Ok. Tu peux poser une table de pique-nique, enfin tu sais un truc pour faire de la bouffe, j'ai envie d'en craft. Ok. Mais quand j'arrive j'en mets direct. Oui, il y a une chips ici. Pardon, je regardais un petit peu un truc à côté. Mais c'est sûr, je vais me faire empoisonner si tu vas sur l'instant. Ouais, bah faut mettre ton casque. Mais il faut que tu mettes ton masque. Il n'y a pas le choix, ils sont. En fait, il y a une pourriture juste collée à l'entrée. D'accord. Après, il n'y a plus besoin, je crois, mais. Il faut de l'herbe sèche et branchette. L'herbe sèche ça va, brancheuse ça doit aller aussi. Mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut en vrai. Elles sont trop bien mises, elles. On la bouffe pour 10 millions d'années. C'est clair. En vrai, normalement, elles auraient déjà tout récolté, tout mis en petits morceaux à l'intérieur. Ouais, mais vu qu'elles sont 12, elles sont toutes collées. T'en veux un ? Ouais, j'en ai pris un. Mais en stock, puisque ça va, j'avais encore un peu de bouffe. Bon, bah, vas-y. Ouais. Ah putain, on n'a pas vu de moustique, c'est dommage. Je vais garder ma masse à démarrer. Ouais. Est-ce qu'on peut regrouper des choses? T'as des trucs d'abeilles? Non, j'en ai pas loot. Ok, bon, c'est moi qui ai de la bouffe, des cailloux, du chewing-gum et des pierres, en gros.
T'as du hot dog et du... Ah, t'as ça, peut-être. J'ai dit... Tu quoi? Du gâteau. Ouais. Attends, moi, je prendrais tous les trucs de fourmis. Oh la putain. Quoi? Bah, elle vient de nous bouffer notre bouffe. De quoi? La fourmi. Ah, mais... J'étais dans mon inventaire, j'entends un bruit de manger. Et elle a bouffé les parties. Il y a, elles ont un pique-nique entier et elles te piquent ton petit bout de moucheron, de puceron là. Ouais. Regarde toi. Ça c'est du l'argile glacier quoi. On se fera attaquer, fais gaffe. Ouais là. Elles sont analysées celle-là. Empalées et épicées. Va-toi à l'arc hein, si t'as pas trop de trucs. Ouais, je fais très mal. Hein. Oui, non, monsieur. Ah, oui, t'as, oui, d'accord. Okay. J'ai pris Barbare, j'ai pris Forminator. J'ai tout pris. Alors, on a deux tunnels, on va sur celui d'en face pour le moment, d'accord. On note. Okay. Au premier embranchement qu'on aura vu. C'est un moment de trop, ma vie. Ouais, j'avoue que tu me casses. Je suis plus tendu. Ouais, dommage, j'ai raté le troisième coup, c'était plus fort. Oh oui. Tu veux me laisser des fourmis, je pourrais en prendre. Mince. De toute façon, il y en a tellement, je crois qu'on... Fais gaffe, beaucoup à ta gauche. Il y en a 4 qui... Ok, faut se reculer carrément. Lox, ouais. On remonte un petit peu. Non mais faut en tuer de façon pour se faire l'armure et peut-être que ça marchera de la même façon que les fourmis rouges. Hein, pour pouvoir fouiller vraiment. Ouais. Après moi perso je gêne tellement en les tapant que ça va. Moi je bandage et tout quand même. Oh, ça les clive. Trop bien. J'ai dos en même temps. C'est bien que tu puisses avoir ta la lumière quand même. Ouais. C'est vrai. Tu peux me donner des trucs de fourmis, moi j'ai encore de la place. Hein. Non mais prends. Ok. Ouais. Mais comme on a dit, il faudrait qu'on en prenne tous les deux. Ouais, t'as raison. Juste, je me prenais. Oh putain, j'étais pas fini. Non. C'est bien, on aura plein de matos fourmineurs, c'est trop bien. Attends, quoi? Hein, quoi? Attends. Je l'ai one shot dans les yeux, je crois, Clark. Ah, t'as écrit ça? C'est pas écrit, mais il y a peut-être des faiblesses qui ne nous sont pas données parfois. Hein. À la faiblesse, je crois qu'il y a faiblesse déjà au perçage, et en plus, faiblesse oui, dans vrai. Les yeux. Impale, oui. C'est vrai. Donc attends, regarde, attends. On va en trouver une. Viens là. Oh putain. Tu lis one shot, c'est incroyable. J'ai des flashs si tu veux. Plus Fourminator et tout en fait. C'est... Ça te défonce. Prends des petits champis qui nous permettent de faire des lanternes. Par contre, si tu tires pas dans les yeux, c'est pourri. Que je tire dans les yeux quoi. Ah pardon.
par là. Oh, on a découvert le labo. Ah. On va le découvrir. Oh ouais, quasiment. Ah mais on les tue alors que là elles sont même pas agressives. Plein sur moi, Lox. Ah, j'arrive. Ah, j'ai pas attendu. Toujours selon. Mutation détectée, œil de lynx. Ah, parce que tu vises les yeux. Pas que tu vises précisément, que tu one shot, j'imagine. Il est verrouillé, ouais, ce bâtard. Ouais, parce que on va falloir faire le câble, sur... ouais. Mais on va fouiller autour déjà. Chercher le tour avant. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des... de la quartz. Trop bien. Attends, je peux voir. Et ta fabrique. Mutation, je vire barbare. Je vire l'épée en fait, j'utilise pas oui. L'épée. Oh putain, moi aussi elle a pris cher mon épée. Hein. Envoie l'obscurcie tes yeux qui te permet de te concentrer pour une visée mortelle. Courir coûte beaucoup moins d'endurance après avoir réussi un tir. Bonus maîtrise les flèches en bonbons, débloque leurs propriétés spéciales. Brûlure épicée et tout. Ah, ça veut dire que tu n'as pas de passe. Ah putain, d'accord. J'ai vu toi. Le câble rouge. Y'a rien d'autre là-dedans. Ouais. Bah une petite dent qui te cache ou quoi. Elle m'agresse pas donc je vais peut-être la laisser celle-là. Ouais, on peut laisser un peu. Vu qu'on va fouiller un petit peu. Là je vais plus bas, là je descends plus bas pour le moment. Tu veux qu'on aille par là? Ah ouais? Tu veux pas qu'on fasse le ouais, câble? Ouais, y'a une autre entrée. Bah je sais pas, peut-être qu'on peut faire le rond. Ok. À mon avis, le câble ça va être le truc un peu clé du lieu. Ah, y'a une dent derrière ça. Bonjour Nana Queen! Salut à toi! Je te donne les. Je te donne des rochers, on va être un peu. Ouais! Et je vais manger un truc, je m'aperçois. C'est pretty good! Oh monsieur! At least it's clean. Ish. Ok, c'est offensif celle-là. Ouais, donc là il y avait. Ah bah d'accord, j'ai compris. Bon bah. Très bien, fais gaffe, je vais mettre une bombe. Bon, y'a une dent dedans, j'avais vu par. Derrière toi! Une soldate. Oh putain! Tu l'as éclaté! Ah ouais! Dès que je ouf, c'est pas mal! La tête, quoi. Ah, mais la carte dorée! Ouais! Je pense! Oh oui! Parce que c'est... Sinon, on l'aurait à la première, tu vois. Pardon. Putain, on va... Oh, c'est pas grave. J'aurais pas dû passer. Je suis jeté dessus. Et ok, bon. C'est pas mal, je vais me reprendre un bandage. C'est... Putain, sans l'épée, c'est dur quand même. Ouais, mais j'avoue que moi, il me reste à peu près un tiers. Oh merde. Ah non, c'est carrément un autre endroit. Ouais, c'est un autre endroit. Bon, viens, on fait demi-tour, en fait, on va faire le cap du coup. Ça m'a l'air encore plus deep que. Putain. Bah, c'est comme l'autre, on va peut-être le voir le faire en deux fois. Comme celui du brouillard. Ouais, c'est vrai, oui. Hein. Mais bon, ça va, on a le point maintenant, on sait comment elle est facile. Et on a la tech. Mal fait, là. Ok. Yo.
Ah bah du coup, on a d'autres qui nous attaquent. Non, je pense qu'il y en a dans les murs ou c'est celle des étages supérieurs. J'ai raté, je suis nul. Ah, il est devant moi comme ça. Ah, j'arrive pas. Énergie ? Il y a un caillou là, le ah, non, gravier. Attends, ouais, je les prends pas les graviers. Ah, ça nous ramène dans. D'accord, ok. Ah, d'accord. Il est très grand. C'est vraiment très grand. Putain, la vache. Oh là là. C'est très grand. Ah, le câble rouge continue. Ouais. Il y avait, en bas, il y avait de la truc pour améliorer les armes. Si tu peux le récupérer. Ouais, mais là, je suis attaqué par des fourmis. T'es où le rocher? Là en bas sur la gauche là-bas en face de moi. Qu'il est important celui-là. Ah, je crois qu'il y en a un autre ici, je reconnais. Ouais, il y en a un autre. Ah là j'ai pas de torche non plus, c'est chiant. C'est chiant du coup. Bon du coup il y avait le. Ouais, il y a le câble à suivre, tout est fermé j'imagine, t'es allé voir. Ouais. Ah non, j'ai pas le temps. J'ai le temps de refaire, je me suis fait attaquer. Verrouillé. Ouais, non, de toute façon, il y a. J'en doutais. Le câble donne un peu. Il me dit un peu ce qu'il faut faire. Ah, on peut entrer par là dans le labo par contre. Ça nécessite un explosif encore. T'en as plus ? Si ? Si, j'en avais 3. C'est le dernier. J'ai trop peur que la bulle, tu sais, ça peut se barrer et tout, que ça foire. Non, j'ai jamais foiré, je comprends. Du coup, je fais un petit trou dans le labo par là. On va tenir enfoncé pour utiliser. Ok. Et attends, je regarde dans l'autre partie vite fait, j'arrive, je te rejoins. Ah, oh, bah, y'a. Y'a R de chez R. Bah, t'as des phares, c'est bien. Faut l'activer, hein, je vais le faire. Attends, je m'insomme, mais dans le but, j'ai réussi à produire un concentré de science brute, mais l'énergie produite est trop forte pour le générateur de champ de confinement. Il semblerait qu'utiliser un mixeur soit une. Ah, j'ai pas le temps. Un robot. Ah, je me fais taper aussi. Je suis entré dans le labo. Merde, je suis plus parade. Il y a une cassette. Niveau A accordé. Ah, je nous ai accordé l'accès niveau A. Aux portes A. Coup. Il n'y avait qu'une salle et il y avait que ça. Avec la cassette qu'on est. B, on n'a pas encore. Ok. On a dit établi. On va analyser les trucs, analyse. Ah, moi aussi j'ai un truc. Une tête de fourmi noire, mais ta tête, du coup. Mais c'est peut-être ça que je viens de faire, ouais. Ouais, c'est aussi. Ponchon fourmillon, chapeau large fourmillon. Ah, on a un deuxième équipement de fourmi noire.
fourmillon, attends, mais ça a l'air fou. Épée en fourmillon, c'est une épée niveau 3. Morceau de fourmillon. Ah non, mais des fourmillons, on va vraiment en avoir du coup, putain. C'est quoi des fourmillons? Et des bébés fourmis? C'est un genre de larve. Ça ressemble plus. Bah, tu vois, les larves, je trouve que ça ressemble un peu à des fourmillons. Tu sais, les larves contre lesquelles on se bat. Okay. Bah, je trouve que ça s'apparenterait à des fourmillons, mais du coup, on aura en plus des fourmillons. Regarde sur le net. Je vais rien, on va en trouver, ça va être marrant. Mais c'est des. C'est... Ah, c'est. Ouais, bah, c'est exactement ce que je disais, alors en plus dégueulasse encore. Bon. Oh là là, en dégueulasse, putain, il y a des fourmillons quoi. Okay. Ouais, faudra sur le full stuff fourmillois, je pense. Mais j'ai pas ce qu'il y avait dans le coffre, et du coup on sort par cette carte. Bon bah viens, on va suivre le câble maintenant. Peut-être le câble nous donne un accès B. Ah non, il y a cette porte là, sinon. Bon, ah, oui, en effet. The security cameras are now installed across the yard, and I've assigned Burgle to overseeing Tasty and Arker operations. A little insurance that my progress on raw science enrichment doesn't fall into the wrong hands. Neither Ominent, nor Insect, nor Robot will have access to my research now. Ok, je suis tombé. Ah, t'as fait le truc de fourmi noir, je pense, ouais. Là, c'est par là, l'Oxou. J'ai découvert mixture collante, mais je pouvais pas l'analyser. Donc, rien de spécial à part. Enfin, il y a de la science que j'ai pris, puis après, on a l'air de pouvoir descendre. Ah, bah ouais, ok. Ok. Bon. Peut-être accueilli. Ah putain, tu me flottes de partout. Hop. Nice, il y a une bombe. Il y a une bombe et j'ai même trouvé un shoot de biceps. Et une plus. Moi, j'en ai trouvé un aussi. Coffre. Par contre, je sais pas comment t'es. Ah oui. Je me bloque dans tout là. Morceau de clan, il faudrait tout prendre. Il y a des biceps. Il faudrait tout prendre. T'as de la tête. Il faut qu'on se regroupe. Hein. Bon. Attends. Chier. T'es où l'Oxo? Encore dans la pièce où il y a des lits, il y a plein de trucs. On peut même dormir. Ouais. On est trop tôt. Ah si on peut. Ouais, parce qu'on a pas dormi de la nuit. Un coin de raison. On va tout récup. Mais attends. Qu'est-ce que je peux prendre moi? Je peux prendre les cordes de lézard psy. Et deux morceaux de blanc encore, ouais. Ouais, je peux virer ça, tiens. Ah, j'ai un truc. Ah, j'ai une boucle pourrie, je peux la virer, déjà. Ah, attends, j'ai des cailloux que toi, tu peux cumuler. Ça. Ouais, vas-y. Je sais pas pourquoi j'en ai... Je sais pas où je les ai trouvés. J'en ai 10. Si, je pense que c'est dans le coffre. Je pense que c'est dans... Mais il me reste une place, on verra. Il m'en reste 3 du coup avec ce que j'ai viré. J'ai des mandibules de fourmis noires, tiens. Il y en a peut-être déjà. Ah, vas-y, on voit. Ouais, ouais. Comme ça, ça me fait 2 places. Nickel. Ah, j'ai des flèches pour toi, tiens. 3 flèches, ah, ça me prend tout un emplacement. Ok, mais. Moi j'en ai 75, donc celle-là on les laisse. Ah ouais, non, je prends là. Laisse-les. Pour 2 flèches, j'en ai 75. Je regarde, qu'est-ce que je peux virer. Ah, les nénuphars, t'en avais? Non, Donnez-moi. Ah, bah. Donnez-moi si t'en as. Non. Herbe sèche et fibres végétales et branchettes. Jette-les si t'as. Non, j'ai que du trèfle, j'en garde. J'ai. Un trèfle, je peux le prendre, donne-le-moi. De toute façon, on est ensemble. Ok. Ouais. Bon, ça va. Ça va, pile poil le stack complet. On a 3 slots chacun quoi. Bah, c'est bon. Voilà. Oula. Très sensible à la mage, j'ai l'impression. Voilà. Au niveau Il y a un briefing sur la sécurité. Tout est devenu trop clair, aussi brumeux que je puisse être ces derniers temps, qu'un peu de maintenance est nécessaire. Notre plan d'enregistrement, tout bête, nanana, bon, ça va être intéressant. Si Ominant a eu des capacités dévastatrices de la technologie mixer, il est bien content d'avoir une. Ah, on n'a jamais réussi ça aussi.
Je suspends l'activité du projet pendant que je renforce un peu ce laboratoire. Les plans sont destinés pour une reconversion d'une vieille idée de Roby. L'unité de gestion intermédiaire grincheuse. Programmation lourde laisse une place à l'amélioration dans le département de latitude et le ciel. Et le ciel interdit à Burgle d'avoir à interagir avec elle. Il semble être du genre jaloux. Ouais bon, je comprends pas tout. Non, non plus. J'ai sauté un peu des trucs, mais... Ah, c'est quoi ça? Qui écrit défense, tac, 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 tac. High beams, low beam. Choc pillard. Is it Burgle ominent? Ah, il a peur de Burgle. Ils disent qu'il y a une clé. Dumb. C'est un débile. Bon. Ah bah du coup oui, ça a ouvert cette partie là. Ok. Ouais. On a accès au B maintenant? Ouais. T'as activé un truc, c'est ça sur l'ordi? Ah oui, c'est ça, niveau B accordé. Ok, donc on peut remonter et entrer dans le B du coup cette fois. Je pense qu'en suivant le... ça, on est du B. Enfin, on arrive... Bah là, on va retourner là où on était dans la grande salle et il y avait un B qui était fermé. On va y retourner devant. Bon, oui, c'est le premier où faut aller. Voilà, celui d'en face là. En vrai, on a pas beaucoup de modules de famille, on en tue plus quand même. Alors. Ah. Oh, c'est pas un labo. Faut mettre un explosif. Ah oui, j'ai vu. Bah, j'en ai récupéré un, ça. Ouais. On est un peu proche. Il y a un autre super ici. Truc de ouf. Bon bah. On va chercher des fourmis rouges. Sinon, on met un point à cet endroit là. Bon, non, on a qu'à suivre le câble rouge en fait. Oui. Voilà, là. En fait, c'est parti. Comme ça, je récupère les flèches. Yes! Du coup, je t'applaudis du coup pendant ce temps. Yes! Yes! Oh, je les ai massacrés. Ouais. C'est pour ça, moi aussi, mon épée commence à être usée. Alors, j'en fais moins. Oh, il y a une dent en or. Il y a une autre fourmi. Merci beaucoup pour le follow, Mug! C'est MugBFR, c'est ça, j'imagine. Merci, bienvenue à toi. C'est gentil. Excuse. Oh! La vie qu'elle m'enlève! Ah, j'ai plus beaucoup d'armure. C'est cool, quand c'est abîmé, ça. Oh, je l'ai eu dans les yeux à la fin. Déçu. T'as eu un méga milk encore? Ouais, une dent en or. Putain, c'est quoi cette entrée là? C'est quoi? Je te parie qu'après tout ça, tout ce truc là, on va lâcher des fourmillons dans le jardin. Mais pourquoi faire lâcher? Ça m'étonnerait que... Ah oui, bah, ah, je tu veux sais dire pas, mais parce qu'on en a pas vu encore et ça m'étonnerait qu'il soit qu'il y a un endroit comme les bousiers ou je sais quoi là. Attends, j'attends avant d'appuyer parce que ça sent. Ouais, ça fait combat de boss, hein, franchement. Attends. Ouais, c'est pour ça, t'inquiète, j'ai dit, j'attendais. Je me soigne. Ouais, pareil. Oh. Oui. J'ai l'impression que je peux plus. T'es prêt? Ouais. Vas-y, appuie. Ouf. Alors, je crois que c'est ce qu'on a vu sur le tableau, les dessins. Il faut encore une bombe. Ah, putain. Alors, et je crois que c'est des tourelles laser. T'as dit gauche thèse. Faudra sûrement les détruire. Ah. Ok. C'est ce que j'ai vu sur le tableau, il y avait écrit laser, beam, machin, shout, je sais pas quoi. Et okay. Ça ressemblait exactement à celle de droite. À celle du... Ouais, les deux en fait, il y avait les deux dessins. Il nous faut encore des bombes.
Il nous en faudra au moins deux. Et en fait, faut en prendre 5. En vrai, faut en faire plein pour être tranquille. Mais je crois qu'il y en a quelques-unes là-bas. Donc. Je les prenais plus parce que bah, c'est toujours trop chiant. En fait. Tu prends tes palmes, t'as un set en plus, tu prends ton casque à bulle, tu prends tes bombes. Clairement. Au bout d'un moment, t'as plus de place quoi. T'as 10 bah ouais, en fait. Tu prends un truc aquatique au cas où il y a de besoin, tu prends des torches. C'est en fait, t'es obligé de. Franchement, moi, je pars trop de trucs entre la bouffe, la flotte, les torches, les trucs. Il y a un truc qui a fait Terraria dans ce style-là qui était pas mal du tout. Hello. C'était que quand tu... Est-ce qu'on essaye d'aller à la deuxième partie du labo en bas ou au pire on revient avec des bombes et histoire on va peut-être bien à l'aise. Ouais, peut-être revenir, je sais pas. Il est un peu tard en plus. Bah ouais, c'est ça, c'est que là on... C'est un truc encore trop grand, de plus en plus grand en fait, les labos, c'est des trucs de plus en plus ouf. C'était par là, non ? Et j'avoue que je commence à fatiguer. Non, c'était par là, je crois. Ouais, c'était par là. Et là en plus, il y a une... Ici, on avait dit qu'il y avait un tunnel vers la droite, je crois. Là-bas. Je sais plus parce que j'avoue que je reconnais de moins en moins. Il y avait un tunnel, oui. C'est par là. Après, le tunnel il est à gauche, voilà. Quand tu es là, va vers la gauche. Ah, ok. Ça, c'est par là où nous on est. Non. Je me trompe complètement. Ouais, c'est bon. Faut remonter. Ouais, non, mais c'est que je regardais moi. Ah oui, c'est la nuit là, gauche, du coup. Ici aussi, au premier embranchement, ouais. J'ai le même problème dans Death Stranding, je prends tellement de trucs pour moi que j'ai plus de place pour les colis. Ouais, mais voilà. Bon, mais il faut qu'on puisse agrandir notre inventaire, quoi qu'il est déjà grand, mais en fait, bah, pas tant que ça, quoi. Avec la multiplication des ressources qu'on peut trouver. Ouais, là, c'est pas tant le fait de stacker les ressources, même si ça aidera un peu dans, avec les Mythes ou Malards, ça va aider un peu, là, mais... Ah oui, mais attends, c'est pas par là, du coup, faut, oui, faut passer par la table de pique-nique. Si oui, c'est vrai. La table de... Des tables, ah non... Des tables, et on se tire, on va monter et puis on rentre à la base et puis voilà, ça aurait été pas mal. Question gastronomie. Si vous pochez des gnocchis, pardon, comment vous savez qu'ils sont cuits? J'aime pas les gnocchis, mais si vous quoi? Pochez des gnocchis. J'aime pas que ça se... C'est peut-être une manière de dire les cuisiner, j'en sais rien. Comment on sait que des gnocchis sont cuits? Oui, que je teste, comme tu es en train de la dire. De la pomme de terre, faut que ça flotte. Un truc comme ça. Tu faut ouais. Ouais. C'est de pas repenser trop. On est revenu. Mais merde. T'as des missions avec deux colis à 60. Ah oh, putain. Mais d'accord. Non si c'est non c'est pas là. Ouais ouais c'est bon c'est juste que bah voilà comme d'hab quoi faut faire le tour des poubelles et tout et tout. Ouais. Bon bah effectivement vous avez tous les deux raison. C'est quand ils remontent à la surface. Voilà. Et j'en dis une autre. Là, elle se bloque là. Mais elle se bloque à deux endroits même. You mind your business? Mais si, à un moment, elles étaient au moins une dizaine. Il y en a même une qui rebondissait sur une autre. C'était n'importe quoi. On a trouvé le truc. On va essayer. Comment nomme-t-on la soupe de légumes traditionnelle en Italie? Oh. Alors ça, j'ai pas. J'ai déjà dû l'entendre, mais je crois que je l'avais mal entendu. Ok, tu t'es où toi? T'es en dessous moi. Moi je suis en bas, ouais. Ouais, non, c'était pour voir où on va aller. Viens, c'est par là. Faut monter pour se repérer si tu vois rien. Clairement. J'ai une mission que j'ai déjà débloquée un peu trop en avance. Je dois porter 120 kg. Ma limite max est de 130. Ah oui, d'accord, donc tu peux rien équiper quoi, tu vas à poil. Ouais, que j'essaie de prendre. Enfin, j'ai déjà essayé. Je joue que 2-3 heures, bah, je crois, Lox, tu m'avais vu. Mm. Et je vais jamais. J'ai trouvé ça. Je pense qu'il faut que j'y aille. Quoi? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai entendu un bruit de ouf, mais oui, c'est des trucs infectés qui font du mal. Je leur pète la gueule. En tout cas, c'est par là, Lox, si tu veux repartir. T'as fait le tour, faut qu'il revienne. Faut que je monte. Trop violent les mobs infectés. C'est la violence même. C'est trop proche. Bah avec leurs bombes là, avec leurs attentats. Trop d'armes 2. Ah bah voilà. Ça vient un truc comment. Vous êtes en forme. Bon pas tant que ça moi, je suis assez fatigué. Viens Lox, par là. Reviens. Parce qu'en fait, il peut monter direct là.
Ah, t'as réussi. Parce qu'on peut juste monter là. Ah oui, attends, faut que je prenne de l'élan et j'attends que mon enduit revienne. Là, il y a une créature, une larve qui est venue d'en bas là, qui s'est excitée de ouf. Ok. Dans l'échelle et la tyrolienne. Putain. Quoi? Je suis déjà tombé. Non, oh putain. J'ai eu de la chance. J'avoue. Rappelle-toi la première fois que je suis tombé. Ouais. C'est vrai, là je saute. Alors, la soupe traditionnelle en Italie de légumes, c'est le minestrone. Ou minestrone. Ouais, non, minestrone. Ça. Ah, le minestrone. Ah, c'est le minestrone. Ça, mais je crois que j'avais entendu mile ou mille. Moi, mais ça me dit quelque chose de fou, mais minestrone, comme ça, ça me parle. Mais un sauf peu, que mais ça moi, parle... je pensais que c'était pas du tout italien, quoi. Voilà, j'ai déjà entendu le mot, mais je sais même pas que c'était un repas. Bah, un truc à faire avant, mais vu que je piche pas le jeu, je sais pas trop où. C'est une constante en fait. Je me rends compte là entre ça et Elden Ring. Ouais, mais bon. Mais ça, c'est aussi le problème ça, de ce type de jeu. T'as toujours envie d'explorer dans les jeux, bah ouais. Tu fais d'autres trucs, machin. C'est des jeux qui alors te poussent vrai, à explorer. Là, ce serait, là c'est pareil en vrai, hein, si on se laisse avoir par l'exploration, mais là on serait déjà dans mille trucs en même temps. Mais tu sais que. Allez, c'est parti pour la balade. Avec Toto, et en gros, Toto à la base, bah, je lui ai montré. Je ça va être lent, quand j'étais chez lui. J'ai plus le 23. Y a pas d'angle très prononcé. Si, peut-être, je sais plus. Autour de Noël, j'étais allé les voir. Et je montre à Toto le jeu, parce qu'il l'avait installé, donc je lui explique vite fait, je lui dis, voilà, j'en parle un peu. Mm-hmm. Ok. Je rentre le soir après le dîner, après le repas, je me couche, et le lendemain, je me lève et je lui dis, ouais, alors, t'as fait quoi? Il me dit, j'ai joué. Je fais, t'es joué, je putain, t'es espèce d'enfoiré, t'aurais pu attendre. Je lui dis, bon, t'as fait quoi de beau? Et voilà, je suis à la deuxième ville. De quoi? Il a fait la moitié du jeu. J'ai, ah ouais, t'as rush les quêtes principales. Voilà, Toto, ouais. C'est tout le contraire. Il se focus sur la quête principale. Et il fait vraiment rien de ce qu'il y a à côté, quoi. Mais du coup, il devait être trop bas level. Ouais, il galérait grave. Il disait qu'il galérait de fou, qu'il avait failli arrêter de jouer. Ouais. Parce que c'est ça aussi. Ah, et puis dans ce jeu-là, ça pardonne pas, putain. T'as ce côté, tu fais trop de quêtes secondaires, t'overfarm le jeu, et voilà, t'as beaucoup trop d'habilités, etc. T'es trop fort. Et t'as l'autre côté où tu fais que du principal, sans... Voilà. Bon, moi ce que je préfère, c'est trouver un mode scaling, et comme ça tu peux faire toutes les quêtes secondaires, et au moins toujours ça se scale par rapport à ton niveau, donc t'es jamais trop fort en fait. J'avoue. Autant Elden Ring que Death Stranding, franchement c'est super cryptique, oui. Clairement. T'as une mission à faire, mais même rien n'est clair sur la progression. Merci Goftas. Après, ça aussi, moi c'est un défaut, je pense que c'est un défaut que t'as, mais que je partage avec toi. C'est que, étant donné que t'es pas trop lore, enfin moi j'aime bien le lore, mais j'aime pas devoir chercher le lore, tu vois, j'aime bien, là j'aime bien dans Grundy, t'as des petits textes vite fait, ouais. Et tu dors la nuit, et tac, t'as une cinématique, et donc t'avances, t'as des infos et tout. Moi, ce que, il y a des jeux, enfin, on dort tout de suite avant de... Ouais, vas-y, allez. Je lève à 8h, oh, soit. Oui, c'est mon frère avec qui je joue. Dans les jeux comme ça, t'as des jeux des fois où en fait faut un peu chercher du lore. Du genre, t'as des dizaines de textes partout, y'a rien qui est clair. Du coup, au début, tu t'y intéresses un peu et puis t'en as vite marre. Ouais, et puis comme dit Sam, lui, il est un loot au bord. Et toi aussi. C'est-à-dire que t'as le côté collection et lui aussi beaucoup. Et genre avoir les trucs de tel jeu, de tel truc. Moi, ça dépend des jeux, moi, de mon côté. Truc de fou. Les jeux solo, je suis très complétiste. Les MMO, beaucoup moins. Ouais, mais parce que les MMO... Les MMO, les jeux en ligne, parce que souvent, c'est tellement deep, c'est tellement long. Il y a que WoW où je le fais un peu, parce que je connais très bien le jeu. Et encore, je me suis vite arrêté. Mais les MMO, ouais, c'est particulier aussi. Voilà, c'est ça. C'est que c'est un jeu... Des jeux où si t'es complétiste, tu vas vraiment faire que ça, en fait. Là, dites-vous, dans WoW, pour vous donner une idée de truc de complétisme et de malade mental, t'as une réputation à monter. Et par ton épée aussi. Ouais,
T'as une réputation à monter dans le jeu. Attends, je vais être loin dans le salon, vous n'allez pas m'entendre de son. Et ouais, parce que monsieur a un casque sans fil, alors il peut se promener pendant qu'il vous parle, et moi je peux pas. Ça t'écoute. Ok, je viens de comprendre un truc. Ouais, pardon, Donc je disais, ouais, t'as une réputation à monter. Et la réputation dans le jeu, quand tu la montes, c'est tu démontes, tu fais des quêtes, machin, ça prend j'avais un certain temps. J'avais pas lu ça, du badge, j'avais pas lu. Ah, tu t'es mute. Oui, oui, parce que je viens de me rendre un truc très con. Vas-y, dis-moi un truc très con. Bah, le badge de défense, c'est juste un badge qui augmente ta défense quand tu l'équipes, en fait. C'est pas un badge qui nous permettra d'entrer nulle part. Et du coup, je l'ai dans mon inventaire depuis le début, mais pas équipé. Ce qui fait qu'il me sert littéralement à rien. Et comment tu l'équipes, le badge? Tu fais quelque chose, c'est que c'est un accessoire et ça augmente ta défense. Ah mais ça m'enlève des dégâts d'attaque. Ah mais ça enlève des dégâts d'attaque. C'est pas incroyable. Je vais le poser, moi, je veux pas. Voilà. Mais ouais. Bref, en tout cas le truc fastidieux sur qui est complètement insane dans les trucs de compétition, c'est que tu dois monter ta réputation. Et pour monter au rang maximum de réputation, et à un moment donné t'es bloqué, tu dois tuer un PNJ qui te donne 5 points de réputation. Et genre, le dernier rang de réputation, il faut en faire 21 000 points. Tu te dis bon bah tu vas le tuer plein de fois et tout, sauf que ce PNJ il met 8 minutes à réapparaître. Il est qu'à un endroit dans le jeu. Et à tout le monde. Et en plus, il donne des quêtes à la faction adverse. C'est-à-dire que des fois, les gens ils vont venir te tuer parce que tu fais que le buter en boucle et qu'ils peuvent plus avancer et tout. Et Grumsh, il l'a fait. Ça lui a pris 16 heures par jour pendant presque 2 mois. À être toutes les 8 minutes à revenir tuer son PNJ. Et il loot quoi, t'as dit, celui-là ? Il te donne 5 points de réputation, c'est juste pour atteindre le point de réputation maximum. Putain. Et attends. Ça c'est... Bon tu te dis putain déjà c'est chaud et tout, mais bah ouais, c'est vrai que c'est chaud, mais en plus ça va plus loin parce que... Ouais. Maintenant il y en a un nouveau. Pour il faire est sympa, les 1000 mais il parle beaucoup mon frangin. Manque, tu as un PNJ pareil qui te donne genre 1 point je crois. Et sauf que cette fois il a 8 heures de temps de réapparition. 8 heures. Bon là même Grumsh il a dit allez, ça me fait chier. Nick. Surtout que ça c'est vraiment vraiment du collection parce que tu as déjà atteint le dernier rang de réputation, mais quand tu as atteint le dernier rang de réputation, tu peux remonter 999 points. Ça sert à rien, c'est juste joli, ta barre elle est complète, elle est verte, mais t'es déjà exalté, ça change absolument rien. Attends. Mais bon. Je vais couper ma VOD, puisqu'en vrai on s'en fout. Ça me concerne pas beaucoup. Oh puis c'est fini après. Et bisous VOD et la suite plus tard. Ciao. Plus tard, on a dit.